Coucou tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui des semi-permanents. Donc, ils sont en vente sur le site internet www.evabeautyaccess.fr. Alors, je vais commencer par les gloss, comme ça. Easy Paris, donc semi-permanents. Donc, je les appelle gloss parce que, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un gloss, niveau esthétique packaging. Par contre, après, ça n'a rien à voir avec un gloss basique quand on met et qui colle, quoi. Ça n'a rien à voir. Une fois qu'il sèche, il ne bouge pas. Donc vous pouvez mettre une écharpe dessus, embrasser votre chérie, il n'y aura pas de traces du tout. Une fois qu'il est sec, il se fixe sur vos lèvres et il ne bouge pas du tout. Je vais vous le montrer, on va le voir. Voilà. Donc je vais tester les couleurs. Donc ça c'est le numéro 27, c'est un rose assez clair, assez flashy. Ensuite, vous avez le numéro 190, toujours la même gamme. Hein. Pareil, c'est un rose. Par contre, celui-là est nacré. Donc, il est un peu plus lumineux. Ensuite, le numéro 99. Donc, ça, pareil, c'est un rose, mais beaucoup plus sombre. C'est une très belle couleur pour cet hiver. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Celui-là, c'est mon chouchou, c'est un rose fuchsia. Alors celui-là est vachement coloré par contre, il est très voyant, mais il est super beau. Donc ça c'est le numéro 40. Voilà. Et bien sûr, un rouge. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc le rouge, c'est un rouge qui est vif. Rouge un peu pin-up avec une petite touche d'oranger dedans. Donc voilà au niveau des couleurs. Donc on va attendre un petit peu. Je vais laisser sécher et je vous retrouve après. Voilà, donc les gloss sont secs. Je sais pas si vous voyez, ils sont mats. Donc ils ne brillent pas. Après, si vous n'aimez pas l'effet mat, vous pouvez toujours rajouter par-dessus un labello, un gloss pour donner de la brillance. Voilà, hop, je vais vous montrer. Donc vous voyez, ils sont secs et ça bouge pas, pas de traces. On peut mettre les vêtements dessus. Ça bouge pas. Ils sont secs. Donc ça, c'est les gloss semi-permanents. Vous montrez avec une lingette démaquillante. Hop. Voilà, donc vous voyez, ils tiennent super bien. Alors, à retirer avec lingette démaquillante, du lait démaquillant. Si vous essayez de l'enlever avec du sopalin, c'est mort, ça partira pas. Hein. Ils tiennent vraiment très bien. Alors maintenant, je vais partir sur les rouges à lèvres semi-permanents. Donc, hop, comme ça. Donc là, c'est vraiment le rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer. Alors ça c'est le numéro 31. C'est un rose clair. Le numéro 36. Donc ça c'est le best-seller. C'est un rose vachement flashy. Ensuite le 37. Bon je vais pas vous les montrer tous parce qu'il y a beaucoup de roses. Je vais vous montrer le corail. Mon préféré, il est super beau. Ça c'est le numéro 57. Je trouve super joli. Le rouge. Voilà. Après, vous avez des marrons. Je vais en mettre partout. Marron, vous avez du fuchsia. Enfin, voilà. Il y en a énormément. Donc ça on garde la texture d'un rouge à lèvres, donc assez gras. Si je le touche, évidemment, ça va baver, ça reste un rouge à lèvres. Par contre, il est semi-permanent, lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va pigmenter vos lèvres. Donc, du coup, en parlant, en mangeant, vous allez toujours garder, même si ça s'estompe un petit peu, vous allez garder tout de même les lèvres colorées. Donc, vous aurez toujours vos lèvres maquillées. Voilà, donc ça, c'est les semi-permanents en rouge à lèvres et ils sont à 1,50€. Donc, ils ne sont pas chers du tout.
Ils tiennent super bien. Donc voilà, c'est un produit que je suis et que vous pouvez retrouver donc sur mon site internet. Alors, je vais l'enlever toujours pareil avec ma fameuse lingette démaquillante. Et encore, j'enlève de suite, hein. Heureusement, parce que sinon, je vais garder des traces toute la journée. Voilà. Donc là, au niveau des rouges à lèvres, vous pouvez retrouver une quinzaine de couleurs sur le site internet. Pour les gloss semi-permanents qu'on a vu juste avant, vous avez 38-40 couleurs disponibles sur le site. Donc il y en a beaucoup, je vous en ai montré juste quelques-unes, je ne peux pas tout faire non plus. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer les feutres semi-permanents pour les lèvres. Alors, les feutres donc, se présentent comme ça. C'est vraiment une pointe feutre. Donc ça, c'est un peu le même principe que les glosses. Une fois qu'on applique sur les lèvres, il va sécher et il ne bouge plus. Donc vous pouvez le frotter, faire des bisous, mettre une écharpe dessus, un vêtement, peu importe, il n'y aura pas de traces. Une fois qu'il est sec, il ne bouge pas. Après, vous pouvez rajouter un gloss à la Bello par-dessus pour donner un petit peu de brillance, comme le gloss qu'on a vu en premier. Et par contre, pour celui-là, ça ne va pas du tout jouer sur la tenue. Il tient vraiment très bien du début à la fin. Après, vous êtes nombreuses à me demander combien de temps il va tenir. Donc bon, après, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous faites. Moi, par exemple, en boutique, dès que je mets le semi-permanent, ben, c'est vrai que j'arrête pas de parler, comme là en fait. Et du coup, ben, au niveau de la tenue, ça me tient je sais pas, demi-journée, voire la journée quasiment complète avec une petite retouche entre midi et deux. Ils tiennent vraiment bien. Alors, je vais vous montrer les couleurs, enfin quelques couleurs pour les feutres. Hop, donc vous voyez, ça marque de suite. Donc vous avez celui-là. Alors ça, c'est le numéro 4 plume. Après, vous avez le 5 strawberry. Donc celui-là est un peu marron. Vous avez le numéro 6 chocolat. Donc ça, c'est un marron glacé. Il est clair, celui-là. Et ensuite, vous avez ces trois-là. Donc ceux-là sont vachement clairs. Ils sont vraiment très discrets. Donc, ça, c'est mon téléphone. Alors, une fois que je vais le mettre sur ma peau, ça va pas trop se voir. Vous voyez? En plus, à la vidéo, on voit encore moins. Ça, pareil, on voit pas trop. Mais par contre, une fois que vous appliquez sur vos lèvres, ça fait super naturel. Ça les redessine, en fait. Ça vous fait ressortir votre bouche, mais c'est vraiment naturel, c'est léger. Donc, c'est vraiment quelque chose que je mets souvent parce que j'adore ça. Je me maquille jamais les lèvres. Et ça, c'est pareil. Celui-là est super clair. Par contre, celui-là est en couleur un peu pêche. Donc, c'est vrai qu'il illumine le teint. Hop. Donc, voilà les couleurs pour les feutres. Alors, on va les laisser sécher. Ça sèche assez vite, hein. Et vous allez voir que c'est comme les gloss. Je vais frotter et ça bouge pas du tout. Voilà. Donc, après, les feutres comme ça sont à 2,50 €. Donc sur le site, je vous mettrai le lien pareil en dessous de la vidéo, comme ça vous allez tout retrouver facilement. Hop. Voilà. Donc on peut frotter comme une folle, il n'y a pas de souci. Ça tient super bien. Et par contre celui-là, même en démaquillant avec la lingette, même si là je vais le faire de suite, donc évidemment quand on se maquille les lèvres, on ne le fait pas de suite. Ben, vous allez garder quand même les lèvres un petit peu colorées. Vous n'allez pas tout enlever d'un coup. Parce qu'ils pigmentent aussi vos lèvres. Voilà. Donc, je vous remontre quand même que ça tient bien. Et je vais l'enlever. Donc, vous voyez, je garde un peu de traces. Évidemment, ça part pas. Comme je vous l'ai dit. Vous voyez, hein, j'ai toujours un peu de traces. Je ne sais pas si vous y voyez bien, mais les traces sont toujours là. Voilà, donc ça c'était donc les feutres. Et maintenant, ça c'est la même chose. Donc c'est les feutres aussi, semi-permanents. Par contre, ceux-là, c'est pour le contour des lèvres. Donc vous allez voir, la pointe est beaucoup plus fine pour vous permettre de bien tracer votre contour et de bien suivre la forme de vos lèvres. Alors, mais vous voyez, si vous l'appliquez donc avec la pointe comme ça
vous faites votre contour de lèvres. Mais si la couleur vous plaît, vous pouvez l'appliquer à plat, juste comme ça. Et là, par contre, vous pouvez remplir votre lèvre entière, vous en servir comme rouge à lèvres, en fait, hein, c'est possible. Voilà, donc ça, c'est la couleur smooth. Donc c'est un rose assez clair, mais vraiment pâle. Même. Ensuite, vous avez le luce, qui est super joli. Donc celui-là, c'est un rose, mais un peu plus soutenu. Ça fait marron, j'ai l'impression, sur la vidéo. Bon, de toute façon, il y a les couleurs sur le site internet, hein, vous verrez bien les couleurs sur le site. Ça, c'est un rose, il est super joli. Après, vous avez celui-ci. Donc après, toujours pareil, hein. Vous pouvez le mettre, j'y vois rien, avec la pointe pour faire votre contour. Hein. Ça, c'est un marron. Et celui-là aussi. Voilà. Bon, là, pareil, je vais laisser sécher et je vais vous montrer après le résultat. Voilà, donc il est sec. Ça, c'est les feutres, hein, semi-permanents. Donc, pour le contour, mes feutres basiques, c'est la même chose. Hein. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est pareil. Donc, voilà. On frotte, on frotte, on frotte. Et vous voyez que ça tient super bien et que je n'ai pas de traces du tout. Regardez. Hop. Pas de traces. Rien. Alors, je vais l'enlever, celui-là aussi. Et je garde des marques, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien avec sur la vidéo. Hein. Donc voilà, pour les semi-permanents. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous les produits sur le site internet, donc le www.evabeautyaccess.fr. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur votre Facebook, etc., etc., afin de me faire connaître un peu plus. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.